Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oui, je suis là. Ok, quelles sont les règles? Quarante-cinq minutes au max. Ok. Et Jess, t'as vu ça? Catherine? Je me demande ce qui peut autant l'exciter. Ok. Pourquoi t'es si pressée? Ah, te voici. J'étais presque au bureau du Chief Tenko quand j'ai réalisé que je n'avais pas mon CA. Ah, désolée, je pensais que je parlais à mes collègues et pas à mes amis. De toute façon, CA veut dire certificat d'assurance. Je vous vois plus tard. Ok. Passez une très belle journée. Jess? Oui, meuf. Je suis vraiment désolée. Je vais devoir partir parce que je me suis tapé un chic rancard. Oh. Mais t'en fais pas, je te reviendrai bientôt. D'accord. Prends bien soin de toi, d'accord? Bye. Passe une très belle journée. Bien sûr que je le ferai. Tout le monde est parti. Sauveur de la nuit. Will le fils au Kadibo. Will le fils au Kadibo. J'étais surpris quand j'ai reçu ton message que tu étais en ville. Ce gars. Mon frère, j'ai dû m'enfuir. Je devais sauver ma vie, gars. Cet homme m'appelait mon père. Il ne veut pas me laisser tranquille. Il veut me dire comment je dois vivre. Et tu me connais très bien. Je ne suis pas habitué à être prisonnier, mon frère. Hein? Alors, j'ai décidé de revenir à Inugu. Comme ça, je pourrais être un homme libre. Ouais, c'est ça. Je me demande, je ne vais pas lui en vouloir. Il ne fait que son. Wow. Mais tiens, voilà. Qu'il continue à faire son putain de devoir quand je ne serai plus avec lui, hein, mon frère. En fait, pour te dire, mon frère, je suis venu rester ici chez toi permanemment, hein. Ah, vraiment? Ouais. Santé. Santé. Bienvenue. Bienvenue. Alors, le sauveur de la nuit, hein. Mon pote, tu m'as manqué. Oui, le fils de Kadibo. Le seul mauvais type que je connais. C'est pour ça que je t'ai choisi comme ami. Et en fait, tu es devenu encore pire, mon frère. Pire, non? Pire. Comment ça? Sauveur de la nuit, bah, je suis dans ta ville, là. Oui. D'accord? Alors, fais-moi une faveur en me montrant la vie obscure de cette ville. Ce n'est pas du tout un problème. Bon, ce qui m'étonne ici, c'est que... Ici, c'est Inugu, ce n'est pas Abuja. Abuja a de belles meufs, de belles cités. Genre, tout est classe là-bas. Alors, que fais-tu à Inugu? C'est que tu ne serais pas ici, mon frère. La liberté. Là-bas, j'ai tout, mais je suis emprisonné. Ici, j'ai tout et je suis libre qu'un oiseau. Bien. Alors, trinquons à la liberté. Santé à la liberté. Bienvenue, frangin. Merci. Le fils de Kadibo. Le sauveur de la nuit. Ça fait du bien de te revoir. Je veux que tu me sauves ce soir. Alors, dis-moi. Ouais, l'endroit le plus sauvage de cette ville. Regarde,
J'ai un endroit diabolique pour toi ce soir. Ouais. Ils sont les meilleures meufs. Bien formées. Belle atmosphère. La sérénité est parfaite. Mais tu as déjà tout dit. Les meilleures meufs. Sauveur de la nuit. S'il te plaît, sauve-moi. Je suis en train de te sauver. Alors qu'est-ce qu'on attend? Mais allons-y. Sauveur de la nuit. Oui, le mauvais garçon. Regarde-toi. Je me suis endormi, hein. Je suis vraiment désolé. Désolé d'avoir brisé tes règles. Désolé d'être allé si loin pour avoir ton numéro. Je ne te ferai plus aucun mal. Je veux juste avoir 2 heures de ton temps. Vraiment? 2 heures de mon temps te coûteront 200 000 naira. Juste ça? D'accord. Est-ce que tu peux me donner les détails de ton compte? D'accord, je t'enverrai les détails de mon compte dans quelques temps. Tu vas vérifier ton compte dans les prochaines minutes. D'accord. Thank you.
Pourquoi tu souris? Quelqu'un veut acheter 2 heures de mon temps avec 200 000 naira. Quoi? Est-ce qu'il va t'entrer dedans? Juste une sortie. Quoi? Ce car est fou. 200 000 naira? Voilà. Que diable est cet homme? Meuf, reste loin de ce gars, ok? Tu viens juste de rentrer des Maldives. C'est mon tour d'en profiter maintenant. Ne veux-tu pas partager? Partager? Mm-hmm. Je ne peux pas faire ça. Ok. Ah, ok. Voyons. Allô, j'ai confirmé. Alors, c'est quoi ton heure de rendez-vous? Lance, qu'est-ce que tu veux? Katrina, je veux que tu comprennes que je t'admire vraiment beaucoup. Donne-moi une chance de me prouver, s'il te plaît. Lance a des mots là. Toi et moi travaillons dans la même entreprise. Je sais combien tu gagnes. Tu ne peux pas prendre soin de moi sans dépenser gros. Mais allez, Katrina, allez. J'attends ma promotion avec impatience dans quelques mois. Les choses vont bientôt changer. Et je prendrai bien soin de toi, je le promets. Lance, s'il te plaît, je t'en supplie. Arrête de me harceler. Katrina. Ne me dis pas que c'est comme ça que tu passes ton temps à acheter des femmes. Je comprends que tu sois une femme très occupée, alors ton temps, il doit être très précieux. Alors, parle-moi de toi. Je m'appelle Jason, comme tu le sais déjà. Et je suis un businessman. Intéressant. Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as l'air de quelqu'un qui veut quelque chose d'autre. Tu as lu dans mon esprit. Bien sûr que je veux quelque chose de différent. Quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de vrai, quelque chose de sincère, quelque chose de profond. Je te veux. Je vois. Mais tu me connais à peine. C'est exactement pour ça que nous sommes ici. Comme ça, on pourra bien se connaître. Et mieux. Salut, meuf. Salut les cocos. Tu es rentrée, meuf. Pourquoi es-tu si excitée? Devinez quoi, les poulettes. Allez, vas-y, crache le morceau. Pourquoi es-tu si excitée? Devinez quoi, les poulettes. Crache le morceau. Un admirateur secret. De quoi tu parles? Un admirateur secret? Écoute, raconte. Je suis allée m'acheter des nouveaux vêtements, ok? Au moment d'aller à la caisse, la caissière m'a dit que quelqu'un avait déjà payé pour les Non, c'est pas vrai. Non.
Non, pas du tout. T'es sérieuse? Fais-moi voir, fais-moi voir. Mon Dieu, c'est beau. Seigneur, ça c'est très beau. Attends une minute. Ça veut dire que t'as toujours sur toi ton fric. Mais tu blagues. Qui ne veut pas les cadeaux? Laisse-moi voir ça. Laisse-moi voir celle-là. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Regarde les franges dessus. Oh, Jazz. Oh, Dieu. Martha? Martha? Oui, madame. Viens. C'est joli, ma copine. C'est magnifique. Va voir qui toque à la porte. Je t'assure. Ah, montre-moi cette eau. Ah, qui est là? Tu ne fais que toquer et toquer. Tu veux casser notre porte? Bonjour, madame. Bonjour, bienvenue. J'ai un cadeau pour madame Jasmine. J'espère que je suis au bon endroit. Mmh. Oui, c'est ici. Ok. J'aimerais bien qu'elle-même reçoive ce paquet et qu'elle signe le reçu. Hey, monsieur. Tu es sérieux avec ce que tu dis? Tu veux que ma madame le reçoive? Donne-moi juste le paquet et je parte lui donner ça moi-même, tout simplement. Non, désolé. Il faudrait qu'elle-même le récupère. Hey, tu veux qu'elle le reçoive et qu'elle vienne elle-même le recevoir? Et tu as un stylo? Oui. On dirait qu'elle va signer. Bien sûr. Attends, je vais l'appeler. Recule un peu, ne salis pas notre mur. Oh. Très joli. J'ai tellement hâte de les mettre. Je sais, d'accord, je sais. Oh. Martha? Ouais. Madame, qui était-ce? Non, madame. Il est encore là. Il n'est pas encore parti. Martha. Oui, madame. Essayes-tu de lui apprendre le français? Ah, je suis folle. Non. Cette année où nous sommes allés à Wakoba, à l'école primaire, on nous a dit que était. Et au passé, quelque chose qui est passé et madame m'a demandé que. Qui était-ce? Je lui ai dit que le gars est encore présent. Et il a dit que madame Diaz, que tu viennes signer, que tu viennes prendre quelque chose. Il est venu avec un paquet. Il a dit que tu viennes signer. Je lui ai dit de me donner, il a dit non. Il a dit que tu viennes signer. Un paquet pour moi? Oui, madame. Madame, le paquet est très joli. Vous savez qu'elle est dramatique, laissez-moi voir. Va regarder. Je reviens de suite. Amusez-vous bien, amusez-vous bien. D'accord, meuf. J'aime bien celle-ci. D'accord, meuf. J'aime bien celle-là. Laisse-moi voir. Laisse-moi voir celle-là. Montre-moi, montre-moi celle-là. D'accord, montre-moi. Fais voir. Ok. Que se passe-t-il aujourd'hui? Meuf! Je suis en feu. Martha. Madame. Que fais-tu encore là? Madame, c'est une bonne chose qui est arrivée à notre famille. Et tu sais que nous sommes toute une grande famille. Et j'ai décidé de rester pour que madame Diaz ouvre ça et que je sois contente avec elle. Quand tu es contente pour quelqu'un, les bonnes choses t'arriveront. C'est pour ça que je suis ici. Martha? Madame. Est-ce que tu peux retourner à ton poste immédiatement? Oui, madame. Je croyais que... On est une grande famille. Ne vous fâchez pas, madame. Ne vous fâchez pas. Hey. Ne vous fâchez pas. De toute façon... Ouvre. Ouvre. Je suis impatiente de voir ce qui est à l'intérieur. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous, c'est quoi? Oh, mon... Waouh, mes copines, c'est une chaîne en or! Oh mon Dieu! 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 Tu es en feu aujourd'hui, ma bébé! C'est magnifique! Ça, c'est 24 carats d'or cubané! Ah, et il y a un peu de
diamants dessus. Oh mon Dieu. Meuf, tu es en feu aujourd'hui. Je suis en feu. Oh mon Dieu, regarde. Waouh. Comme ça brille. Allô? Putain. À qui est-ce que j'ai l'honneur? Regarde ça. Mon administrateur. Fred. Oui, merci. J'aime bien, mais... Ok. Êtes-vous la même personne qui a payé mon shopping il y a de cela quelques heures? Ouais, je veux dire, vous connaissez où j'habite et vous connaissez mon numéro. Alors, qui êtes-vous? Je me demandais si on pouvait aller manger un truc ensemble, Katrina. Je rentre, j'ai cuisiné quelque chose de délicieux, j'ai faim. Ok, c'est super. Peut-être que je devrais venir avec toi. Est-ce que tu as entendu? J'ai dit que je rentre à la maison. Je le sais, ça ne dérange pas, je le sais. Ok. Ok, merci. I thought I was the best. I thought I was the best in this game. I thought I was the baddest. I thought I was the best in this game. But I've been played and played and played again. It's so dangerous. You turned me on with your sweet voice. You say I couldn't resist. You got into my head. Now I'm messed up. I couldn't think with my head. My heart was overwhelmed with your lies. Que veux-tu que je dise? Que je suis partante? Oh. Que je suis partante? Écoute, Jason, je ne suis pas ce genre de fille, ok? Et je ne suis même pas prête pour une relation actuellement. D'ailleurs, je suis une femme très occupée. Toute ma semaine? Ah, monsieur, cela te coûtera une fortune. Ok. 7 jours de mon temps te coûteront... 2 millions de naira. Au revoir.
regard est fou. Quoi? 2 millions de naira? Qui est ce gars? Ce gars est incroyable. Santé à 2 millions. C'est quoi cette vie? Hein? C'est quelle misérable vie que je vis ici? 2 millions. 2 millions de naira juste pour une sébède. Juste une. Hey! Incroyable. Hein? Mais attends. Qu'est-ce que mes patronnes ont que moi je n'ai pas? C'est juste parce que je ne me maquille pas comme elle. J'ai la poitrine. Hein? J'ai le derrière. Et je connais bien Cusidedo. Mata, tu es le rêve de tout homme. Hein? Je suis dans cette maison, à travailler. Et on me paye un maigre 40 000 naira chaque mois. Hey! En vrai, regarde l'argent. Avec 2 millions de naira. Ah! Je le jure, moi, Mata. Je vais prendre tout mon corps et donner à un homme pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je lui donne, je lui donne. Ah! Madame arrive. Yeme! Yeme, oh oh. I thought I was the best. I thought I was the best in this game. Bienvenue. The I thought I was the baddest. I thought I was the best in this game. But I've been played and played and played. C'est un bel endroit que nous avons ici. Merci. Merci. Pas de quoi. S'il te plaît, assieds-toi. Bien sûr. Alors. Que vas-tu me faire faire? Je suis à toi toute la semaine. Je crois qu'on oublie quelque chose ici. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Ton sac. Te dérange pas, j'achèterai de nouveaux vêtements. Vraiment? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Désolé. N'importe quoi, j'ai tout dans cette maison. Voyons voir. Voyons voir ce que tu as. Eh bien. Quoi? Je crois que je dois le faire dorénavant. Ne le crois-tu pas? Ne me fais pas attendre.
Jason. Oui, mon amour. Tu chevauches comme un roi. Bébé. Je veux juste que tu t'offres à moi, bébé. Je veux tout ton corps. Jason, je croyais qu'on avait déjà parlé de ça. Je sais. Mais je veux juste que tu saches que... Bébé, je peux m'occuper de toi. Regarde, je peux prendre soin de toi, bébé. Je suis capable. J'ai tout ce qu'il faut pour prendre soin de toi. Et si c'est un problème d'engagement, arrangeons ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Jason, écoute, tu mérites plus. Je ne peux pas remplir ce vide. Qui le dit? Tu le peux? Je suis sûr que tu peux. Tout ce que je te demande, c'est une chance. Je te le promets, ma chérie, je te rendrai la plus heureuse. Je te le promets. S'il te plaît, pendant que tu réfléchis, est-ce que je peux rapidement avoir un autre tour? Ah, tu n'es pas sérieux. Ouais, c'est vraiment incroyable. Je te le dis, c'est vraiment incroyable. Je veux dire, tout est si confus. Ouais, je sais, mais je crois que je dois lui donner une chance. Tu dois faire très attention. Souviens-toi que nous sommes là pour s'amuser et pour de l'argent. Pas de sentiments. Je sais, mais... Pas de mais. Tu dois apprendre à savoir où tracer tes limites. Ah. Flora, souviens-toi aussi que nous avons de l'argent pour nous soutenir toute une vie. Nous ne pouvons pas faire ça pour toujours. Ah. Ok. Je peux voir que tu as déjà un coup de foudre. Je sais ce que je fais, meuf. D'accord, si tu le dis. Alors, comment ça a été? Copine, il est tellement chaud. Tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'expliquer. Hein? Va-t'en. Dis-moi tout. Ouais, mais il est allé au travail. Ouais, bien sûr. D'accord. D'accord, chérie, je vais te parler plus tard. D'accord. Passe une bonne journée, bye. Ouais. Flora? Tom? Oh oui. Alors, comment tu vas? Tu m'as fait attendre. Je suis désolé. Les embouteillages étaient terribles. Désolé. Ravi de faire ta rencontre, Flora. Mademoiselle Flora. Ravi de faire ta connaissance. Alors, où est-ce que tu m'emmènes? À n'importe quel endroit de ton choix. N'importe où. Bébé. Ouais. C'est délicieux, bébé. Contente que tu l'aimes. J'adore, bébé. Je ne savais pas que tu savais préparer. Ne dis même pas ça. C'est vraiment délicieux, mon bébé. Je sais. Je savais que tu allais aimer, donc... J'aime tout sur toi, mon amour. Tu en es sûre de ça? Je te crois sur parole. Thank you.
es tellement fascinante. Bébé. Je crois que je vais sortir aujourd'hui. Je vais m'acheter de nouveaux vêtements. Cela ne serait plus nécessaire du tout. Je t'ai acheté des vêtements en rentrant. Vraiment? Oui. Une seconde. C'est pour moi, bébé. Oh mon Dieu, bébé, tu m'as acheté ça? Je t'ai acheté ça. Ah. J'adore. Attends, jusqu'à voir les culottes sexy que je t'ai achetées. Oh. Tu les fais? Tu es fou, bébé. Oh mon Dieu, bébé. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, fais-le encore. Fais-le encore. Tu es fou, tu le sais, n'est-ce pas? Ah, oh, bébé. Quoi? Je t'admire juste. Je ferai n'importe quoi pour toi, chérie. N'importe quoi. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Oh non, ne fais pas ça. Tu en veux? N'importe quoi pour toi. Bébé, tu es tout ce dont j'ai toujours espéré. Tu es si romantique, tellement chaud. En plus, t'es sexy. Merci. Regarde, bébé. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je sais. Rien ne m'empêchera de t'aimer. Rien. Tu es la meilleure. Merci. Pouvons-nous... Quoi? Retourner à nos plats? Ah, oui, bien sûr. Tu es tellement belle. Merci. Ne suis-je pas chanceux? Et une bonne cuisinière. Et une bonne cuisinière. Avant que je n'oublie, quand est-ce que Catherine rentre? Peut-être le week-end. Ah, ok. Katrina est en train d'enfreindre les règles. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Katrina est amoureuse du même gars qui achète son temps. Et tu sais ce que ça veut dire. Je crois que je comprends très bien le point de vue de Catherine. En fait, nous ne rajeunissons pas. Ouais. Bien que nous soyons dehors pour gagner un peu plus d'argent, le souhait n'est pas que nous soyons célibataires toute notre vie. Jasmine, où veux-tu en venir? C'est simple. Si Catherine trouve l'amour dans les bras du même homme qui la gâte avec autant d'argent, alors c'est gagnant-gagnant. Jasmine,
C'est bien toi qui dis tout ça? Bien sûr. En ce qui me concerne, je compte me barrer d'ici très peu de temps. Je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui est intéressé par moi. Toi aussi. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Mets-toi à jour, meuf. Jasmine. Ok. T'es encore réveillée? Il est 2h du matin, Fred. Pourquoi est-ce que tu appelles à cette heure? Je sais, je sais. C'est juste que tu me manques. J'ai un tas de trucs dans ma tête, bébé. Je ne peux pas dormir. Tu vas devoir trouver le sommeil, Fred. S'il te plaît, j'ai envie de me reposer, je suis fatiguée. D'accord, est-ce que je peux te voir demain, s'il te plaît? J'ai besoin de ta compagnie, bébé. Tu me manques. Tu m'as vraiment manqué. Fred, c'est le week-end demain. Je dois aller à la gym et... D'accord. Est-ce que je peux te voir au moins après la gym? D'accord, demain. Demain, ok? D'accord. Merci, je t'aime. Salut, bébé. Hey. Je dois partir. Allez, bébé. Je croyais que tu allais rester encore plus longtemps. Bébé, je ne peux pas, ok? Je suis ici depuis 7 jours et c'était sur ta requête. À partir de maintenant, plus de requêtes payables. Je serai ici à chaque fois que tu auras besoin de moi, ok? D'accord. Si tu insistes, laisse-moi au moins te déposer. Non, je suis venue avec ma voiture, rappelle-toi. T'es sérieuse que tu veux vraiment partir? Bébé, je dois partir, je dois aller au travail. Ok? Vas-y, donne-moi un sourire. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Ok, je dois partir. Les femmes d'abord.
Conjure, pourquoi tu l'as si surpris? Tu n'as même pas idée de ce que tu as fait. Mec, mais j'ai eu peur. Tu attends quelqu'un? Regardez qui nous avons ici. Bébé. I thought I was the best. I thought I was the best in this game. Yeah, I thought I was the baddest. I thought I was the best in this game. Oh, sauveur. Mais quoi de neuf? Oh. Où est-elle? En haut, en train de prendre sa douche. Mais n'est-elle pas l'une des filles qui est à la boîte de nuit? Mec, mais baisse ta voix. Elle est déjà tombée éperdument amoureuse de moi. Comment? Comment l'as-tu fait? As-tu oublié ton ami? Ce que je veux, je l'obtiens. Je sors avec toutes les trois et elles ne le savent même pas. Vraiment? C'est un jeu délicat que tu es en train de jouer. Que crois-tu être en train de faire? Baisse ta voix, mec. Écoute, quand tu vas commencer à recevoir les fruits de tes œuvres, je ne serai pas là. Je ne serai pas capable de te sauver. Tu s'entends te dire la vérité maintenant. Ce sauveur ne sera pas capable de sauver ton cul. Tu as l'air d'avoir oublié qui ton ami est. Je suis le roi de ce jeu. On ne m'attrape jamais. Ok. J'ai dit ce que je pensais. Ne crois pas du tout que je te sauverai quand toi te tombera dessus. Je te le dis. Que ce ne soit pas que je ne t'ai pas prévenu. Ne me prends pas pour sauveur dans ce cas, parce que je ne serai pas capable de te sauver quand tout ça te tombera dessus. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dit de t'éloigner de moi, je suis pas ton genre de femme. Tu n'es pas passé au travail pendant plus d'une semaine. Et je n'ai pas arrêté de te couvrir sans que tu ne me le demandes. Eh bien, merci d'avoir fait ça, mais cela ne change rien. Attends, Katrina. Pourquoi ne veux-tu pas être avec moi? Pourquoi? Écoute. Je sais que tu cours après ta carrière, mais nous le faisons tous. Mais le truc, c'est que, peu importe les bénéfices, nous avons tous besoin d'une personne spéciale dans nos vies, et ce, à n'importe quel moment. Et je suis là, s'il te plaît. Lance, s'il te plaît, éloigne-toi de moi. Tu ne vas pas apprécier si je t'embarrasse encore. Got you, cause I also thought you loved me too. But I was wrong, cause I didn't know you were a player. When a player got played, you turned me on with those sweet words you said. I couldn't resist. Ouais, meuf. T'es déjà rentré à la maison? Non. Écoute, je viens de rentrer de la gym et j'ai décidé de m'arrêter. Je m'en mets pour me rafraîchir. Ce n'est pas ça. Non, 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 non. Oh, je vois. J'espère que tu m'as gardé quelque chose de bien.
Je te fais confiance. Je vais bientôt rentrer à la maison, je te promets. Alors, dis-moi. Alors, comment s'est passé tes 7 jours d'aventure? Ouais, j'ai hâte de l'entendre avec toutes les précisions. Oh! Ok, 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 meuf. On se verra plus tard. Garde mes cadeaux. Je ne veux pas entendre que quelqu'un a touché quelque chose. J'arrive. Ok. Ok, ma puce. À tout à l'heure. Bye. Moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé pour mon temps. Pour toute ma semaine. Qui ne sautera pas sur une telle offre? Catherine, bébé. Tu peux le redire. Il doit vraiment t'adorer. Ah. Tu sais quoi, meuf? J'en ai terminé de jouer à ces jeux avec lui, ok? Je vais lui donner une chance. Pour voir si on peut construire quelque chose. Tu vois ce que je dis? Je ne rajeunis pas. Mais regarde, ma copine. Waouh! C'est ta meuf. De toute façon, devine quoi? Quoi? Moi également. Je vais emprunter le même chemin que toi. Pas question. Bien sûr que oui. Oh mon Dieu! Meuf! Meuf, nous devons fêter ça. Bien sûr que ça s'est fait. Avec du champagne. Je vais t'inviter. Tu vas gérer. Oh, mais attends, j'ai l'argent, meuf. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, madame. Je croyais que tu m'as appelé. Oh, ne te fâche pas, ne te fâche pas, madame. Hé, hey, Martha, une minute. Madame. Martha, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'étais-tu pas douchée ou quoi? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de te gratter à chaque fois? Ça devient trop. Madame, désolée. Oh. Sois au village qu'on m'a fait ça. Wow. Est-ce que tu peux aller prendre ton bain? Va prendre un bain. Bain? Merci, madame. On se fait une sortie? C'est toi qui m'aide. Oui, on se fait une sortie. On appelle ça un bisou Nike. Tu vas aller, Michel. Fais-le mon corps, s'il te plaît. Je suis sur le point de mettre mon cœur. Je suis désolée. Alors, où voudrais-tu que je t'amène cette nuit, hein? Si tu veux aller quelque part, bah, j'ai une jet privée. Que penses-tu de cette boîte qu'on appelle le Tchalanga, hein? Tu sais pourquoi on l'appelle Tchalanga? Du Serengeti. Prononce-le d'abord, Tchalanga. Ça ne m'étonne pas. Tu dois voir comment je fais ma bouche, hein? Tchalanga. Arrête. Et bien maintenant, prends ceci, ma chérie. Merci. Au vrai amour, véritable amour, amour coquin. Tu sais ce que ce vin fait? Il est rend puissant, oui, puissant. Ça te plairait, n'est-ce pas? Allez, enlève ta chemise, enlève-la.
Salut, enfin, copine. Ma copine est rentrée. Tu n'as pas prolongé ton week-end? Non. Il voulait que je reste, mais je dois travailler. Attends une minute. Est-ce que je t'ai entendu dire travailler? De quel stupide travail tu parles? Meuf, tu gagnes 2 millions de naira en une semaine. Et tu es là à parler d'un stupide travail dans une entreprise d'assurance? Je t'en prie, épargne-moi ça. Flora, bien que je flirte de temps en temps, j'aime ce que je fais, j'adore travailler. J'aime être une carriériste, ok? Tom m'a presque tué la nuit dernière. J'ai finalement trouvé mon héros. Et qui est Tom? Quand es-tu arrivée? Qui t'a fait entrer? Je ne savais pas que tu pouvais être aussi moins soucieux de ta sécurité. Et pour tout empirer, c'est tellement sale partout et poussiéreux. Je suis désolée, mère, j'étais occupée, maman. Bien que je compte engager une ménagère et un gardien, très bientôt. Et tu crois que quitter Abuja et venir te cacher ici à Enugu changera ton mode de vie? Mère, s'il te plaît. Père et toi avaient pratiquement quitté ma vie. Je suis un homme maintenant, un adulte. Il me faut ma liberté. Il est grand temps que père et toi vous me laissez. S'il te plaît. Laisser tes parents et venir ici pour vivre une vie indisciplinée. Maintenant, écoute, fiston. Je connais toutes les maisons de ton père dans ce pays. Et j'ai accès à tout ça. Et celle-ci n'est pas une exception. Maman, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. Vraiment? Ok. Parle-moi de tout ça. Williams Okadibo. Parle-moi de ça. Je suis là. Je suis là. Je t'écoute.
Mère, je sais ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est du temps. Mère, donne-moi du temps. Rectificatif, Williams. Il ne s'agit pas de ce que je veux. Il s'agit de ce qui t'attend. Ton père prend de l'âge. Et il veut que tu gères les affaires de son empire. Pourquoi laisseras-tu cette richesse et venir vivre ici comme personne? Tout ça parce que je veux me découvrir. Oh, je veux savoir qui je suis vraiment. Je vais vivre ma vie. Ma vie, mère. Vraiment? Oui. Vraiment. Bonjour, madame. Madame, mon nom est Katrina Azoubé. Je suis l'amie de Jason. Jason? Oui, Jason. Mère, ce jour que tu attendais est finalement arrivé, mère. Mon cœur, je voudrais que tu rencontres ma ravissante mère. Mère, ma fiancée Katrina. Jeune fille, que fais-tu? Elle est une... Piston! Mère! Laisse la jeune fille parler d'elle-même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Madame, je travaille dans une société d'assurance. Je suis coursier. La société d'assurance réelle. Je vois... un coursier en bourse. Oh, bien. C'est la première fois que je vois mon fils avec quelqu'un de réputé. Viens t'asseoir, Katrina. Assieds-toi, Katrina. Ok. Ok, merci. Alors, mère. Cause I didn't know you were a player. When a player got played. Salut, bébé. You turned me on. Meuf, tu aurais dû voir la mère de Jason. Très belle, classe, élégante. Mais Jason avait l'air un peu mal à l'aise à côté d'elle. Alors, est-ce qu'elle t'a aimé? M'aimer? Elle m'adore. Elle ne m'a pas lâché d'une semelle. Je crois que j'aime cette femme. Eh bien, tu es une fille chanceuse. En ce qui concerne mon mec... Excuse-moi, est-ce que tu viens de dire ton mec? Oh, Cathy. Ok, t'avais raison. Il y a un moment dans la vie d'une femme que l'argent ne compte plus du tout. Tu te sens si vide quand tu réalises finalement que pendant toutes ces années, tu n'as jamais trouvé cette personne spéciale dans ta vie. Tu sais... Je suis tellement contente que tu comprennes mon poids maintenant. Alors, qui est cet homme? Comment connais-tu son nom? Hello. L'autre jour où tu es rentrée, toute contente et excitée par rapport à un gars appelé Tom. Eh bien, on vient de se rencontrer. Mais j'ai l'impression de le connaître depuis plus d'un an maintenant. Ouais, parle-moi de lui. Ok. Mesdames, je m'en vais. Oh, tu es ravissante, meuf. Merci, ma puce. Passez une bonne journée. Bonne journée. Ok, retournons à nous. Attends une seconde. Est-ce que t'as constaté quelque chose? Non. On dirait que toutes les trois avons trouvé l'amour au même moment. Tu sais, maintenant que tu l'as dit, je pense à ça. À croire que Jasmine allait tomber amoureuse. Pour ne pas parler de cuisiner pour un mec. C'est une affaire sérieuse. Eh bien, je suis simplement heureuse. Que quelque chose d'extraordinaire et bien nous arrive presque au même moment. Je suis si fière. Oui, je sais, c'est vraiment génial. Mais non, 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 non. Retournons à nos histoires. Retournons là-bas.
I will get my time too. So enjoy it while it lasts. Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. Na na na. When a player got played. Bonsoir. Qui es-tu? Mon nom est Gideon Jasmine. Je suis l'ami de Fred. Fred? Ouais. Jeune fille, es-tu sûre que tu es au bon endroit? Ouais, je le suis. Oh, c'est lui. Excuse-moi, maman. Fred? Quand est-ce que mon fils est subitement devenu Fred? Ah. Oh mon Dieu, tu es une personne tellement intéressante. C'est bon, je suis fatiguée de rire. Je suis juste réaliste. Je veux dire, plusieurs hommes pensent qu'ils peuvent acheter nos cœurs avec leur luxe. En parlant de luxe, est-ce que William t'a parlé d'eux? Lui et de sa famille? Je ne sais pas grand-chose sur votre fils, madame. La raison, c'est que nous sommes dans cette relation, ça fait quelques mois seulement. Mais faites-moi confiance, je sais que c'est un gardien. Jasmine, j'ai besoin de ton aide. William s'est enfui de ses responsabilités. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Est-ce qu'il t'a dit le fils de qui il est? Williams Okadigo est le fils unique de Chief Ebubedike, Hyacinthe Okadigo. Oh, attendez une minute. Êtes-vous en train de parler de la famille d'Okadibos? Le propriétaire de la société la plus grande de la ville? Il est mon mari. Sauveur, je ne sais pas quoi faire par rapport à la présence de ma mère. Elle refuse de partir. Le truc, c'est que comment a-t-elle su que tu t'en vides? Comment a-t-elle su que tu t'es inégo? Eh bien, je voulais te le demander. Tu voulais me le demander? Mm-hmm. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Comment? Eh bien, je comprends que ma famille a les contacts. Je veux dire, les connexions pour trouver qui ils veulent trouver. Mais je suis sûr que ma mère ne peut pas venir à Inugo juste comme ça. Alors, dis-moi, elle l'a fait ou elle ne l'a pas fait? Attends, attends, c'est une blague, n'est-ce pas? Tu penses que je vais cancaner sur toi? J'ai vécu dans cette ville toute ma vie. Nous avons été des amis. On fait littéralement tout ensemble. On mange ensemble et on se porte également nos vêtements. C'est à ce point qu'on était proches. Donc tu crois que moi, je vais cancaner sur toi? Je veux dire, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que tu pouvais me dire ça. Je ne sais pas quoi d'autre penser. Tu ne sais pas quoi d'autre penser? Ok, tu peux aller en fait, demander à d'autres gens. Ou peu importe qui tu consultes pour tes affaires. Ne pense jamais que je vais cancaner sur toi. En fait, tu sais quoi? J'en ai eu assez, hein? Amène-moi hors d'ici, ok? Avant que je n'entende autre chose qui va me faire péter en câble. Je ne veux pas m'énerver davantage. C'est chiant, mec. Comment je vais cancaner sur toi? T'es mon ami. D'ailleurs... Je ne veux plus parler de ça. C'est très énervant. S'il te plaît, emmène-moi l'autre. Mon problème, en fait, est que tu cries et puis tu vas dans ma voiture. Je peux te laisser ici. With your lies. You fool me, yes, you fool me. You fool me, I believe it. Now is your time to. I will get my time to. So enjoy it while it lasts.
Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. No, no, no. When a player got played. Oh, no, no, no. When a player got played. When a player got played, it's so dangerous, it's so dangerous, so dangerous. When a player got played, it's so dangerous, it's so dangerous, so dangerous. When a player got... Jas, tu vas bien? Je vais bien. C'est juste que je n'arrive pas à croire que mon petit ami m'ait caché une chose aussi importante que son identité. Que veux-tu dire? Fred est l'unique fils de Chief Hudson Okadibo, le Nabal du gaz et du pétrole. Le propriétaire du groupe Jetta? Le Okadibo? Ce même qui a été récemment conféré le titre d'OFR à la présidence. Je fréquentais son fils sans même le savoir. Alors, comment as-tu fait pour le savoir? Sa mère. Tu sais, elle m'aime beaucoup. En fait, la dernière fois que je lui ai rendu visite, elle m'a parlé de ça. Je suis très curieuse au sujet de ton petit ami. Me permets-tu de voir sa photo? Voilà ça. Seigneur. Hey, Jazz. Oh. Copine, est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Tu vas bien? On m'a trompée pendant tout ce temps. Trompée? Je ne sais pas de quoi tu parles. As-tu eu des problèmes avec Fred? Problèmes? Ça aurait été mieux que Fred et moi on ait des problèmes. Fred m'a caché son identité. Je ne savais pas que c'était le fils de l'un des hommes les plus riches de ce pays. Oh. Copine. Comment est-ce censé être un problème? Écoute, ces hommes sont comme ça quand ils veulent se caser. Jason ne m'avait jamais parlé de sa famille jusqu'à ce que je rencontre sa mère. Fred doit s'excuser auprès de moi et doit me demander pardon de m'avoir trompée. Jasmine! Jasmine! Je suis fatiguée. Non, pas encore. Jasmine! Et dis-tu que Fred est pour toi? C'est quoi ce genre de question? Près de mon petit ami, pourquoi? Donc ça c'est le genre d'ami que tu es? Tu t'en vas derrière mon dos pour coucher avec mon petit ami? Où veux-tu en venir, Flora?
Mesdames, ok? Écoutez, calmez-vous, d'accord? Les voisins viennent de rentrer, ils peuvent entendre. Se calmer pourquoi? Jasmine, comment oses-tu me poignarder dans le dos? Maintenant que j'ai trouvé l'amour, tu pars derrière mon dos et tu couches avec mon âme, Thomas? Tu as perdu la tête. T'es même allé aussi loin jusqu'à changer son nom en Fred pour que je ne remarque pas. Toi, tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas au juste avec toi? Tu as perdu la tête ou quoi? Attends une minute. Es-tu en train de dire que mon Fred est ton Thomas? Attendez. Un moment, faites-moi comprendre exactement ce qui se passe ici. Flora, es-tu en train de dire que ton Tom est le Fred de Jasmine? Waouh. Ok. Mesdames, calmons-nous, ok? Nous sommes des femmes matures ici. Nous pouvons régler ça et amicalement parlant. Ok. Je suis sûre qu'il y a un problème quelque part. D'accord? Ok. Je comprends maintenant. Vous couchez toutes les deux avec le même homme? Pour l'amour de Dieu, comment ceci est arrivé? Demande-lui. Demandez à qui espèce de croqueuse de diamants. Nous savons toutes que tu ne tombes pas amoureuse. Fred était mon admirateur secret qui m'a acheté des choses la première fois. La même personne qui m'a envoyé des cadeaux. Katrina, tu es témoin de tout cela. Alors maintenant, dis-moi, comment se fait-il que Flora soit avec lui si elle n'a pas arraché mon homme? Tu devrais être très stupide pour oser me traiter de croqueuse de diamants. Comment oses-tu, Jasmine? Ça, ok? Ce n'est pas comme ça qu'on règle ce genre de choses. Ce gars pourrait être en train de jouer avec vous et vous ne le sauriez même pas. Fred n'a pas le temps pour les filles aussi faciles qu'elle. Je veux dire, si ce n'était pas Flora qui était alliée à mon insu et si j'étais sur lui, maintenant elle a le toupet de se placer devant moi et de me parler de mon homme. Qui a soufflé? Je sais comment me débarrasser des gens comme toi. Continue de chialer. Espèce de fille de basse classe, bâtard. Vraiment? Salin, pieuse, me parle. Oh, je t'en prie. Mais attendez, regardez-moi ça. Hey! Cette affaire est sérieuse. Hey! Hey! Comment deux personnes peuvent sortir avec un homme et elles ne le savent pas? Hey! Cette affaire est comme pour l'Irak et l'Iran. Cette maison me fatigue. Et où? Ma nourriture? Je ne me sens pas bien ces jours-ci. Je me sens malade. Pouvez-vous imaginer que je dormais au bureau aujourd'hui? Oh, je t'en prie, arrête de te comporter comme une gamine. J'ai constaté le changement sur toi depuis. C'est évident que tu es enceinte. Oh oui. Eh bien, Dieu merci, tu as un homme responsable. Qui se soucie et qui t'aime tellement. Pas comme d'autres gens faux qui passent leur temps à coucher avec les mecs des autres. Flora, tu es malade. Tu es mentalement instable. Comment oses-tu, Jasmine? Ne t'entends pas, Flora. Tu me cherches dans cette maison. J'ai fait l'effort de te supporter. Arrêtez la bagarre.
n'est pas mon Jason. Fred? Thomas? Ma tête ne peut pas supporter ça. Hey! 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 Hein? Je disais deux filles avec un homme. Maintenant, trois. Hey! La terre, pardon, ouvre-toi. Ouvre-toi, comme ça je vais entrer. Je vais entrer. Ouvre-toi, la terre. Ouvre-toi. Hey! Mes trois patronnes. Un homme. Hey! Moukaganessa Diepeo. La terre, ouvre-toi, je veux entrer. Je veux entrer, oh. Terre, ouvre-toi, ouvre-toi. Je veux entrer. Je veux sauter. Hey! Trois patronnes. Un homme. Hein? You got into my head. Now I'm messed up. I couldn't think with my head. My heart was overwhelmed with your lies. You fool me, yes, you fool me. You fool me, I believe it. Now it's your time to. I will get my time to. So enjoy it while it lasts. Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. Na na na. Je veux dire, nous ne pouvons pas rester là à nous regarder. Il est évident que ce mec a passé son temps à jouer avec nous trois. Cela veut dire que... il connaît chacune d'entre nous. C'est pour ça qu'il évitait de venir ici. Quel bâtard. À chaque fois que je lui demandais de s'arrêter à la maison, il disait toujours qu'il ne rend pas visite aux femmes. Que la dernière fois qu'il a rendu visite à une femme, il a dormi chez elle. Et qu'il avait été brutalisé par son admirateur secret, comme elle le lui avait fait croire. Et il a découvert plus tard que c'était son fiancé. Oh mon Dieu, quel con. Ce bâtard nous a raconté à toutes les trois la même foutue histoire. Ah. Ma chère Flora. On s'est vraiment foutu de toi. Le voleur a été volé. Alors, les filles, qu'allons-nous faire maintenant que nous savons exactement à qui nous avons affaire? Je vais personnellement tuer ce gars. Je vais le tuer parce qu'il a osé toutes nous tromper. Il ne mérite pas de vivre, non. Il ne le mérite pas. Jasmine, tu as raison. Je te supporte. S'il te plaît, donne-moi mon sac. Le porc est en train de m'appeler. Bien sûr. Espèce de bâtard. Essayez de deviner, les filles. Thank you.
Ceci ne peut pas m'arriver. Donc ce fou couché avec trois amis. Je crois que je soutiens Jasmine sur ça. Mais si je le fais, qu'est-ce qui va arriver à mon enfant? Mon enfant ne peut pas être un bâtard. Non. You fool me, yes, you fool me. You fool me, I believe it. Now is your time to. I will get my time to. So enjoy it while it lasts. Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. Na na na. When a player got played. Oh na na na. When a player got played. When a player got played, it's so dangerous. It's so dangerous. So dangerous. When a player got played. Comment est-ce que je n'ai pas vu ceci venir? Laura, tu as vraiment foiré. Une fille comme moi, partager mon mec avec deux de mes amis. Comment n'ai-je pas pu voir l'écriture sur le mur? Je ne suis pas d'accord avec Jasmine sur ça. Tom ne va pas mourir. Il a été joueur, mais le fait est fait. Je dois trouver ma place dans cette famille. Les Ocadipo sont les quatrièmes plus riches dans ce pays et j'aimerais m'associer à eux. En ce qui concerne Katrina et ce bâtard dans son ventre, nous allons jouer à ce jeu tous ensemble. Que le jeu commence. Overwhelmed with your lies. You fool me, yes, you fool me. You fool me, I believe it. Now is your time to. I will get my time to. So enjoy it while it lasts. Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. Na na na. When a player got played. Oh na na na. When a player got played. When a player got played. It's so dangerous. À quoi est-ce que je pensais? Lorsque j'ai dit que Fred méritait la mort. Non. Non, Yasmine. C'est une mauvaise décision. Qui sait? Ce que Catherine et Flora sont en train de planifier. Peu importe les intentions qu'elles ont, je dois être plus maligne. Jasmine, tu dois juste... Fred est à moi. D'ailleurs, sa mère m'apprécie beaucoup. C'est déjà dans la poche. Fred est sans doute le mien.
Et si je dois me battre pour lui, alors qu'il en soit ainsi. You fool me, I believe it. Now is your time to. I will get my time to. So enjoy it while it lasts. Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. Na na na. When a player got played. Oh na na na. Lance, qu'est-ce qu'il y a? Ton rapport annuel pour le projet de la nouvelle société introduit l'année dernière n'a pas encore été soumis. Et il y aura une vérification demain. Peux-tu être un bon ami et m'aider avec ça, s'il te plaît? Oui, bien sûr. You turn me on with those sweet words you said I couldn't resist. You got into my head. Now I'm messed up. I couldn't think with my head. My heart was overwhelmed with your lies. You fool me, yes, you fool me. You fool me, I believe it. Now is your time to. I will get my time to. So enjoy it while it lasts. Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. Na na na. When a player got played. Oh na na na. When a player got played. When a player got played. It's so dangerous. It's so dangerous. So dangerous. When a player got played. Happiness. You buy bro from our business. Business and what can what I do? Happiness. Il va avoir un amour. Martha. Business. Madame, avez-vous besoin de quelque chose? J'aimerais que tu y ailles dans ma chambre, que tu ramasses les habits sales pour les laver. Oui, madame. Je vais rapidement finir avec ce sol que je lave. Je vais aller le faire. Martha. Madame. Peux-tu laisser ce que tu fais? Vas-y. Pas de souci, mais madame. Ne passe pas là, ça glisse. Je reviens tout de suite. Thank you.
Hey, qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Toutes mes patronnes se comportent de façon bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Matao, ce que tu ne connais pas ne te connaîtra pas. Oh. C'est le travail qui m'amène ici. C'est le travail que je fais. Un mot de la mouintaise. Bao. Modala Moitezo. Happiness. You buy broth na my business. Na modala Moitezo. Happiness. Allô? Baba, oui, c'est moi. Baba, j'ai fait comme tu m'as demandé de faire. Non. Baba, il n'y a pas d'hurlements qui sortent de sa chambre. Baba, écoute toi-même, écoute, écoute. Aucun hurlement. Baba, je suis patiente. Oui, oui, je suis patiente. Mais... Est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu es sûre que ça va la paralyser comme on s'est dit? Je suis patiente. Je serai patiente. Si tu le dis. Ok. Patience, 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 patience. Patience, patience.
Madame. Madame. Je cuisine quoi? Bonjour. Martha. Madame. Désormais, je ne mangerai plus dans cette maison. Alors n'ajoute plus mémé. Hey. Madame. Attends, madame. J'ai fait quelque chose. Où est-ce que tu n'aimes pas ma nourriture? Comment peux-tu dire que tu ne manges plus à la Martha. Maison? Madame. Vas-tu arrêter de me poser des questions et faire ce que je t'ai demandé? Oui, madame. Hey, madame. Madame. Hey. Madame, tu pars trop vite, ne te fâche pas, s'il te plaît. Il reste une chose. Quoi? Désolée. Madame, regarde. Mais madame, regarde, Taro. Elle s'est baissée. Même celle de derrière, regarde. Ça s'est baissée. Martha. Madame. Qu'est-il arrivé à mes pneus? Madame, je ne sais pas où. Moi, je ne sais pas. Martha. Madame. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes pneus? Madame, madame, vraiment, je ne sais pas. Madame, je le jure, c'est ce matin que j'ai décidé de balayer la cour. Madame, j'ai commencé à balayer par ici. Quand je balayais, mes yeux étaient par ici. Je ne sais pas comment mes yeux se sont retournés et regardés par ici. C'est comme ça que j'ai constaté que les pneus étaient percés. Et j'ai décidé de te dire, madame... Oh, oui, allô? Hakim. Ouais, s'il te plaît, peux-tu venir chez moi? J'ai des pneus crevés. S'il te plaît. D'accord. Je peux pas dire. Tu ne vas pas rentrer pour te reposer. Tu veux aller à pied? Ne te fâche pas. Sauveur, je ne sais pas ce qui s'est passé avec toutes mes meufs. Tout ce temps, elles ne décrochent plus à mes appels. Calme-toi, frérot. Il y a une qui arrive. Calme-toi. T'es sérieux, là? Qu'en est-il de Jasmine? Qu'en est-il de Catherine? Écoute, fils de Kadibo, t'es mon ami. Et j'ai besoin de te parler. Il est grand temps que tu arrêtes ce mauvais jeu que tu es en train de jouer. Est-ce que tu peux être sérieux? Est-ce que t'as un problème avec le fait d'être sérieux? Sauveur. Mais bon sang, de quoi est-ce que tu parles, mec? Je gère 3 meufs. Je cherche à connaître la meilleure parmi elles. Alors, mec, bon sang, de quoi est-ce que tu parles? En y réfléchissant, j'essaie de comprendre. Comment as-tu eu les détails sur ces filles? Les numéros. Numéro? Comment ça? D'accord, je vais te le dire. Mon père possède l'une des plus grosses sociétés de communication dans ce pays. Ok. Ça s'appelle Numéro. Tu connais? Une fois que le numéro que tu utilises est dans cette base de communication, ça veut dire que le fils de Kadibo peut avoir ton numéro. Oh, oh, oh! Maintenant, je me souviens. Mauvais garçon! Hey! Maintenant, je comprends. Je comprends. Je vois maintenant pourquoi la mère de Will veut tout connaître sur ses filles. Et si elle le fait, je suis absolument sûr qu'elle sera déçue par son fils qui sera avec des filles qui n'ont aucun profil important. Je ne pense pas que je la laisserai faire. Je ne pense pas. frérot. Oui. C'est mieux pour moi de partir maintenant, ok? Tu as une invitée qui arrive. Je ne dois pas t'encombrer. La meilleure chose que tu as dit aujourd'hui. Toi, tu ne vas jamais changer. Je te verrai plus tard, Frangin. Prends soin de toi, d'accord? Je fais toujours de mon mieux. You turn me on with those sweet words you say I couldn't resist. You got it. Bébé! Baby. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, assieds-toi. Pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? Je ne sais pas.
Je me sens juste fatiguée. Tu te sens fatiguée ces jours-ci? Est-ce que tu es allée à l'hôpital pour faire un bilan? Mais parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu allée à l'hôpital faire un bilan? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Mais parle-moi! Bébé, tu es enceinte de 4 semaines. 4 semaines de grossesse. Es-tu heureux? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas l'air heureux? D'accord, je vais dire à tout ce père à quel point je suis heureux. Hé, le père! Tout le monde! Je dois continuer? Attends. Je suis heureux, c'est une bonne nouvelle. Mais t'es pas sérieux, là? Je veux dire, tu ne peux pas être autant heureux sachant que mes parents ne te connaissent pas. Rien n'est officiel entre nous. Ma mère, elle est très disponible. Tout ce que nous devons faire, c'est prendre rendez-vous chez elle, avoir une causerie avec elle, et boum! Les cloches du mariage sonnent. Es-tu sûr? Une minute, bébé. Hein? Les cloches du mariage sonnent. Les cloches du mariage sonnent. Je suis très heureux. Tu sais quoi, bébé? Ma mère serait si fière de toi. Ma mère sera super fière de moi. Les cloches du mariage sonnent. Les cloches du mariage sonnent. Les cloches du mariage sonnent. 4 semaines. Les cloches du mariage sonnent. Qu'est-ce que je viens de faire? Je ne pensais pas que ce mec allait prendre la grossesse de cette façon. Il veut même me présenter à sa mère. Ça devient très sérieux. Je dois rapidement faire quelque chose avant que Katrina s'y rende là-bas la première. Décroche. Allô, docteur Gabriel, s'il te plaît, je dois te voir immédiatement. Ok. Je serai là dans peu de temps. A-t-elle eu un pneu crevé? Je crois que Martha planifie quelque chose. Attends. Où est madame? Attends, et tu me demandes où est madame? C'est madame qui t'a appelé. Mais c'est madame qui m'a appelé. Porte-le. Je suis que cette chose va passer ici. Je vais passer par là plutôt. Tu peux le laisser là-bas. Viens. Tu vois ça? Tu vois ceci? Regarde bien. Regarde ça. Viens, suis-moi. Thank you.
Martha? Madame. Martha? Madame. Madame Tati. Tu as besoin de quelque chose. Martha. Madame. Qui est cet homme sur la voiture de Flora? Madame, c'est Hakim, votre mécanicien. Je m'en fous de qui il est. Martha, je commence à te suspecter. C'est quoi exactement ton plan dans cette maison? Oui. Madame t'a dit suspecter. Hé, madame. Madame, c'est Hakim, non? Hakim travaille pour vous. Ça fait plus de 8 ans qu'il travaille pour vous. Avant que je ne commence à travailler ici, tu oublies. Mais toi et moi savons qu'Hakim n'est pas un réparateur de roues. C'est Madame Flore qui l'a appelé. Qu'il vienne changer la roue. Quand il est venu, j'ai ouvert le portail. Et en regardant sous la voiture, j'ai constaté que quelque chose était gâté là. Et je lui ai dit de la ranger rapidement. Martha. Madame. Martha. Madame. J'ai mes yeux sur toi. Hein? Tes jours sont comptés dans cette maison. Tu m'écoutes? Tes jours sont comptés. Désolée, madame. N'importe quoi. Que ce soit un chargeur de roue ou un mécanicien, tout c'est pareil, non? Il va toujours arranger la voiture et tout le reste. Et tout le temps, tous les jours, elle me gronde. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je l'attends, oh putain. Peut-être faut que je l'appelle encore. Baba, pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps? Ah, ma chère, mais je viens du sanctuaire. Ah, je viens du sanctuaire. Tu dois comprendre que tu n'es pas ma seule cliente. J'en ai beaucoup, d'accord? C'est bon. Mais Baba, comme je te l'ai dit au téléphone, ce charme n'a pas fonctionné. Toli, Leiyu, je suis surpris. Je suis surpris que tu dises que ce charme n'a pas marché. Tu es sûr que tu as fait exactement ce que je t'ai demandé de faire. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé? Bien sûr, Baba. J'ai fait les choses comme tu me l'as recommandé. J'ai mis le produit devant la porte de sa chambre, mais elle a traversé et elle est entrée dans sa chambre. Elle s'est endormie. Elle s'est bien réveillée ce matin et en bonne santé. Bon. Mais le seul moyen que ce charme ne marche pas, c'est que quelqu'un a traversé avant qu'elle. Oui. Peut-être quelqu'un a traversé. Avant qu'elle ne le fasse, celui-là, jamais ne pourra plus marcher sur elle. Papa. Baba, Baba, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? De toutes les façons, pas de problème. Quand tu m'as parlé de ce qui s'est passé au téléphone, j'ai apprêté un autre charme. Merci, Baba. Béné? Alors, cette fois-ci, tu dois vraiment faire très très attention. Et John. Je le ferai. Je le ferai, Baba. Ce que je suis sur le point de te donner est un remède très efficace. Tu vois ces feuilles? Ce n'est pas des feuilles ordinaires. Les enfants appellent ça remède et légumes. Ces feuilles sont appelées boboyaki. Boboyaki, ça se prépare dans toutes sortes de sauces. Toute femme enceinte qui la prend va à coup sûr mourir. Il n'y a pas de remède. Tout le monde peut manger cette sauce, à l'exception d'une femme enceinte. Oui, c'est l'enceinte. Alors, fais comme je t'ai dit, pas d'erreur cette fois-ci. Okay, si tu fais une erreur, Johnny Jarmi, c'est ton problème, hein, Mba. Oh, Oda Goudé, Oda Goudé, Oda Degoudé, 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 Koro Yekoume, Yekoume, Yekouko, Oye. Vas-y, mets ça ici. Merci, Baba. Baba, j'ai apporté... Voilà, c'est pour ça que je t'aime. Tu me donnes toujours du cash. Merci, Baba. Ok. Merci. Fais comme je t'ai dit. Oui, Baba. D'accord. Je le ferai. À plus tard. Bye-bye. Merci, Baba.
Salut. Combien de fois est-ce que je t'ai prévenu de ne plus venir ici sans ma permission? Pour l'amour de Dieu, ma mère est là! Mais je t'ai appelé maintes fois et tu ne décrochais pas mes appels. Que voulais-tu que je fasse? Je devais m'arrêter pour te voir. Maintenant que tu es là, pourquoi est-ce que tu veux me voir? Jason. Jason, je suis enceinte. Donc, comme ça, c'est votre nouvelle stratégie à vous, les femmes. La grossesse. Tu blagues, n'est-ce pas? Maintenant, écoute-moi très bien. Débarrasse-toi de cette merde. Je ne suis pas intéressé. Tu m'écoutes? Je ne suis pas intéressé. Jason, c'est tout ce que tu trouves à me dire après tout? Je suis sûr que tu connais le chemin de la porte. Jason! Jason! It lasts. Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. Na na na. When a player got played. Oh na na na. When a player got played. Katrina. Oui, madame. Bonjour, madame. Oui, bonjour. J'ai entendu tout ce que tu as raconté à mon fils. Tu es vraiment sûre que tu es enceinte de lui? Oui, madame, je le suis. Le docteur l'a confirmé. Je suis déjà à 6 semaines. Retrouve-moi au Lounge Paradise à 18h ce soir. Nous devons parler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Arrête de pleurer. Essuie tes larmes, hein? You turn me on with those sweet words you say. I couldn't resist. You got into my head. Now I'm messed up. I couldn't think with my head. My heart was overwhelmed with your lies. You fool me, yes, you fool me. You fool me, I believe it. Now it's your time to. I will get my time to. So enjoy it while it lasts. Your time is going to pass. I promise I wouldn't slack when my time comes. Na, na, na. When a player got played. Oh, na, na, na. When a player got played. When a player got played. Flora, pourquoi as-tu insisté à ne pas venir à l'hôpital? Tu sais bien que je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps pour sortir et faire... tout ça. Docteur Gabriel, je choisis ma localisation et mon heure. Tu n'es pas juste mon docteur, tu es aussi mon amour. Alors je choisis l'endroit où je veux te voir. Bien. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Je dois rapidement tomber enceinte. Alors comment suis-je censé le faire pour toi? As-tu changé ton mode d'affaires? Je me marie bientôt, alors je dois tomber enceinte le plus tôt possible. Alors, que ton mari le fasse pour toi. J'ai besoin
d'une insémination artificielle. Mais tu as dit que ton mari... Est-ce possible? Ouais, c'est possible. Tout ce que tu dois faire, c'est de venir à l'hôpital lorsque tu seras en ovulation. Ok, parfait. Mon ovulation commence dans 3 jours, alors je passerai te voir, tu as dit. Ok, c'est bon. Mais j'espère que tu as bien réfléchi à cette décision, Flora. Ça ne te regarde pas. Fais juste ton travail et tu attends ta paye. Un peu comme quand tu couchais avec moi et tu me payais. Ok, bien. Je te verrai plus tard, d'accord? Prends soin de toi. Passe une bonne journée. Un jour, je vais trouver un homme qui changera ma vie. Un jour, le temps est venu pour moi de changer ma vie. Hey, je trouverai un homme royal qui changera ma vie. Avec lui, je me sentirai bien. Avec lui, je me donnerai à fond. Avec lui, je donnerai tout mon être. Oh, il sera mon homme à moi. Je l'aimerai pour toujours. Martha? Madame. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, madame. Madame, comme tu es entrée dans la cuisine aujourd'hui, ça ne te ressemble pas. Martha. Madame. C'est parce que tu es toujours ici. Et de ce fait, je n'ai aucune raison d'être là. Madame, tu as besoin de quelque chose? La nourriture est cuite déjà. Non. Écoute, Martha. Madame. Je suis ici parce que je suis inquiète pour toi. Moi, j'ai fait quelque chose? Non. C'est juste parce que... En fait, j'ai remarqué que ça fait un bon moment maintenant qu'on n'a pas augmenté ton salaire. Hey, madame. Hey, madame, ceci me plaît beaucoup. Ça me plaît, madame. Mm-hmm. Merci, madame. Hey, madame, ce que j'entends là me rend tellement heureuse. Quand j'entends ça comme ça, ça va me motiver, me motiver. Ça va me donner plus de force. Et je vais bien travailler, madame. Merci, madame. Écoute. Oui, madame. Nous allons augmenter ton salaire, hey. Mais je voudrais que tu fasses d'abord quelque madame, chose Madame, je vais moi. Le faire. Qu'est-ce que c'est? Tout ce que tu me dis, je vais le faire. Madame, tu sais que moi, j'étais... Tiens. Je voudrais que tu cuisines un ragoût d'igname. Oui. D'accord, madame. Je crois que tu es au courant de ce qui se passe dans cette maison. Oui, madame. Mais nous avons décidé de tout oublier. Oui. Oui, alors... Il est temps pour nous de vivre bien, de faire la paix, tu comprends? J'ai donc pensé qu'il était nécessaire de faire quelque chose, tu vois. Madame, hé, madame Jazz, j'ai toujours dit que tu étais intelligente. Tu es très intelligente, madame. Hein? J'ai prié mon chapelet. J'ai prié que tout le monde se réunit encore, qu'on soit encore comme une famille. Et maintenant, tes prières ont été exaucées. Hé, madame. Oui, tes prières ont été exaucées. Écoute, je veux que tu cuisines bien ce ragoût. D'accord, hein? Madame. Regarde, j'ai même un peu de... J'ai un peu d'argent, oui. Prends cet argent, 10 000 naira. Je sais que nous avons tout ici, mais je voudrais que tu achètes tout ce que tu voudras pour que ce soit plus épicé. Hey, je vais l'épicer, oh. Madame, je suis vraiment contente. Madame, ça fait longtemps que je prie et je prie pour que tout le monde revienne ensemble. Comme on était avant, comme une grande famille. Et tes prières ont maintenant été exaucées. Hey, madame, je vais d'abord garder ceci. Assure-toi de bien cuisiner ce ragoût. Je vais le faire. Bon, je me sens un peu fatiguée, donc je vais un peu aller me reposer. Quand tu finis de cuisiner, apporte mon plat dans la chambre. Oui, madame. Comme ça, tu pourras servir les madame, autres. Madame, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le cuisiner confiance. Et ça va être très délicieux. Tu ne me fais pas confiance, madame. Ne l'oublie pas, d'accord? Tu m'as dit de... Je vais parler. Tu sais que parfois ma tête garde et oublie. Je sais. Que j'apporte ta part dans ta chambre. Oui, parce que je veux me reposer. Et je vais servir aux autres patronnes. Oui. Moi aussi, je vais manger un peu. Celui qui travaille doit aussi manger un peu, madame. Martha. Madame. Madame, je vais le cuisiner. Je vais faire ce ragoût. Je vais le préparer. Ça va être très délicieux. Ça va être très bon. Ça va sentir très bon.
Le parfum va être très délicieux. Ça va vraiment être très délicieux. Je vais d'abord le laver. Ah, je vais le cuisiner. Je vais le cuisiner. Reste plus qu'une. Bell for you. You know I got you, 'cause I thought you got me too. But I was wrong, I didn't know you were a player. You know I got you, 'cause I also thought you got me too. But I was wrong, 'cause I didn't know you were a player. Ah, when a player got Mangeons la vie. Mangeons la vie, oh. Chai. Je vais en profiter, oh. Mata, il faut manger la vie. Je sais cuisiner. Mata, c'est cuisiner, oh. Ces feuilles que Madame Diaz a portées ont donné un meilleur goût à cette nourriture. Ça a bien pénétré. Mata, il faut manger la vie. C'est pas chaque fois qu'on vit comme ça. Martha, il faut manger la vie, oh. Martha! Madame! Madame! Je constate que tu es vraiment en train de te régaler. Oui, madame, je me régale. Martha, madame, tu vois, je suis venue spécialement te dire que ce repas que tu as cuisiné était vraiment... Hey, madame, je t'ai dit que j'allais le faire. À 100%. Je sais cuisiner. Merci beaucoup. Merci, madame. J'ai vraiment apprécié. Et je veux que tu m'en gardes encore, ok? Oui. Pour la nuit. Oui. Madame, pas de souci. Je vais le retirer et le mettre dans le frigo pour que ça ne se gâte pas. Je vais le garder. Merci beaucoup. Merci, madame.
Est-ce que quelqu'un est déjà rentré? Oui. Et Madame Cathy, elle est rentrée. Elle est dans sa chambre. Okay. Je suis allée moi-même lui donner sa part. Madame, elle a mangé en léchant ses doigts. Je t'ai dit, cette nourriture est mate à se préparer. Merci beaucoup. Tu as bien fait. Tu as très bien fait. Merci, madame. Ton salaire est garanti, d'accord? Madame, bye-bye. Il faut manger la vie, yo. Matin, il faut manger la vie, yo. Il faut en profiter. L'automne est arrivé pour moi de m'en aller. Jay, aujourd'hui c'est mon jour, je vais en profiter. Oh, aujourd'hui c'est mon jour, je vais en profiter. Je vais en profiter. Je vais en profiter. Aïe! Je vais seulement en profiter, en profiter. Ah. Madame, désolée. Madame, hey, mon Dieu. Hey, madame, désolée. Hey, qu'est-ce que je vais appeler? Oh, qu'est-ce que je vais appeler? Hey, hey, madame, arrête quelque chose, arrête quelque chose, arrête quelque chose, arrête. Madame, madame Jasmine, madame Jazz, hey, le sang, madame Diazo, hey, madame Diazo, hey. Martha. 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 Où diable est cette fille? Martha. Jasmine. Martha? Jasmine? Martha! N'y a-t-il personne dans cette maison? Mon Dieu! Jasmine! Katrina! Katrina! Oh.
J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Ça, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Non. 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 Katrina! Katrina! Comment avons-nous pu arriver à ce point et aller jusqu'à nous donner la mort? Tout ça pour un idiot. Un tout petit peu là. Avec tes petits ongles. Qu'est-ce qui t'a mis, c'est pas drôle. Salut, mesdames. Salut, bébé. J'ai de la pizza. Ouh, une pizza. Pizza. Pour moi, pour moi, pour moi. Pour moi. Attendez-moi. Moi, j'arrive. Apporte-nous du jus.
Jasmine, non. Non. Pas Catherine. Katrina. Pas toi, Katrina. Pas toi. Doucement, doucement. Katrina, comment est-ce que tu vas? Je vais mieux. Je suis vraiment désolée, ma chère. Katrina. Tu vas bien? Un tout petit peu. Ça va aller. Je suis désolée. Ça va aller. Flora, je suis tellement désolée. J'ai failli te tuer. Comment? Je suis celle qui a réduit l'huile de ton moteur. Comme ça, tu pourrais avoir un accident. Katrina! Je suis vraiment désolée de t'avoir fait traverser toute cette douleur. J'ai empoisonné le ragout. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je suis sincèrement désolée. Jasmine. Même toi? Oh mon Dieu! Je t'en prie, pardonne-moi. Flora, je suis également désolée. Quoi? Je t'ai presque paralysée. J'étais... Tu serais morte maintenant, mais Martha a contrecarré mes plans. On m'a dit de verser du charme devant la porte de ta chambre. Et que personne ne devait le traverser avant toi. Mais Martha l'a fait. Je suis vraiment désolée, je suis désolée, désolée. Je sais que je ne mérite pas votre pardon. Jasmine. Je t'en prie, je suis désolée. Je suis désolée. Tu voulais me paralyser. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis désolée. Ah. Excusez-moi. Madame Flore, je ne sais pas pourquoi vous pleurez. Hein? Comme cela.
Pendant qu'on découpe tout, recollons tout comme ça. Tout ça va bien se mélanger. J'attendais que tu dises ta part. Ta part de confession. Vas-y, confesse-le. Martha. Madame. Que diable veux-tu dire? Madame, ce n'est pas une affaire de gros français, oh. Ce n'est pas de gros français. Madame Cathy, si ce n'était pas moi, Martha, tu serais morte depuis. On t'aurait déjà enterrée. Tu sais que tu aimes beaucoup le jeu et tu adores beaucoup le jeu. Et on dit que c'est ce que quelqu'un aime qu'on utilise pour le tuer. Et Madame Flore a pris le poison et elle a empoisonné ton jus qui était dans le frigo. C'est moi, Martha. Je suis allée le retirer. J'ai changé ce jus pour que tu ne meurs pas. Et elle m'a envoyé dans sa chambre. Que j'aille porter ses vêtements qui n'existaient pas. Et Madame Flore, toi-même tu serais morte. Tu serais déjà enterrée. Toi-même qui me déteste la plus. Tu ne m'aimes pas du tout. Tu me dis, Martha, tu es villageoise. Tu pues. Tu sens. Si ce n'était pas moi, tu serais morte. L'autre jour, j'ai vu Madame Cathy entrer dans ta voiture. Je ne savais pas ce qu'elle cherchait dans ta voiture en faisant le désordre. C'est moi qui suis-je. Allez pincer les roues de ta voiture. Pour que tu ne sortes pas ce jour. Si ce n'était pas moi, tu serais morte. Hey! Je ne sais pas ce qui vous a toutes conduit dans ce monde de vie. Vous qui êtes si belle. Vous qui êtes si belle, qu'est-ce que vous cherchez? Cette personne veut tuer cette personne, cette personne veut tuer cette personne, cette personne veut tuer cette personne. Qu'est-ce que vous cherchez? Regardez la maison où vous vivez, comment elle est jolie. Même cette lumière qui est là-bas, elle n'est pas dans notre maison du village. Regardez les chaises où vous êtes assises. La dernière fois que j'ai vu ce genre de chaises, c'est quand je suis allée cuisiner dans une autre ville. C'est sur cette chaise que le gouverneur s'asseyait. Et vous voulez toutes vous tuer à cause d'un homme. Cette personne veut tuer cette personne. Cette personne veut tuer cette personne. Cette personne veut tuer cette personne. Vous n'avez pas du tout pensé que si vous mourrez toutes, vous allez tout perdre. C'est moi, Martha, qui vais hériter de tout ce qu'il y a dans cette concession. Absolument tout. Je vais tout hériter. Comme je suis née de nouveau, j'ai dit non au diable. Je ne vais pas le faire. Je me suis dit que comme j'aime mes patronnes, j'ai décidé de vous sauver. J'ai décidé de toutes vous sauver. Je ne voulais pas que vous mouriez. Je vous aime beaucoup. Mesdames, si j'étais vous, on allait nous réunir, nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble et tuer cet homme qui a fait ça. Si c'était moi, cet homme, on allait le tuer. Cet homme ne mérite pas de vivre sur cette terre. Pour avoir poussé mes patrons à vouloir se tuer. Je remercie Dieu que ce jour soit arrivé. Je prie pour que ce jour arrive. Pour que vous vous réunissiez, pour qu'on redevienne cette grande famille qu'on était avant. Pico, ne pleurez plus. Tibi Joshua qui est mort, il a dit que l'amour règne, que cet amour règne toujours et que ça nous réunit. Ne pleurez pas. Jasmine. Je suis désolée. Katrina. Cathy. Pardonne-moi, je t'en prie.
désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Viens là. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Martha, madame, je viens avec vous. Je viens avec vous. Je viens avec vous. Je viens avec vous. Le docteur a dit que le poison n'a pas affecté ma grossesse. Donc je suis encore enceinte de ce bâtard. Je suis aussi enceinte. Non. Non, les filles. C'est pas ce que vous pensez. J'ai fait une insémination artificielle. Eh bien, moi je ne suis pas enceinte, mais la mère de Will me trouve intéressante. Elle est au courant de ma grossesse. Et elle m'a donné 5 millions de naira d'arrêter mon travail et de m'occuper de l'enfant. William est aussi au courant de cette fausse grossesse. Et il a accepté sa paternité. Alors les filles, qu'allons-nous faire maintenant? Ce que nous savons le mieux faire. Gagner plus d'argent en profitant de cette situation horrible. Il est évident qu'aucune d'entre nous ne veut ce trop de cul. Alors, les filles, allons à la poursuite des millions. Je vais me débarrasser de la grossesse. Mais pour le moment, je veux que la mère de William m'achète tout dans ce monde pour tout ce que son fils m'a fait traverser. Je veux une maison à Lagos et une maison à Abuja et une autre au Royaume-Uni et un dépôt de 100 millions de naira. Hey! Excuse-moi. Madame Flore, ne te fâche pas. Je ne sais pas si vous avez oublié. Toutes ces choses qui comptent dans cette maison. Tout ceci. Où est-ce que vous allez me mettre? Ne te fâche pas. Martha. Madame. Tu es comme une sœur pour nous. Fais-moi confiance quand je te le dis. Tu feras toujours partie de tout ceci. Hey, merci, madame. Je vais croiser mes pieds. Ils tremblent. Je suis une grande fille. Martha. Madame. Fais m'en assurer personnellement. Hey, merci, madame. Je croise mes pieds. Mais ils tremblent. Hey, mes patronnes. Je me sens si bien. Alors, les filles, lançons les dés. When a player can play, it's so dangerous. It's so dangerous. So dangerous. When a player can play, it's so dangerous. It's so dangerous. So dangerous. When a player can play, it's so dangerous. It's so dangerous. So dangerous. When a player got play, it's so dangerous. It's so
dangerous, so dangerous. Salut mon mignon. Hey. Ton visage m'a l'air familier. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Ta mémoire est aussi bonne que la mienne. Ça te dérangerait si je te conduis? Oh, je ne veux pas te stresser. Je pourrais aller loin, je ne sais pas où tu vas. Tu réveilles déjà mon côté taquin. T'es sûr? Parce que je ne veux pas être un problème pour toi. Hein? Bien sûr que non. Vraiment? Allez, ça ne me dérange pas. Vas-y, entre, je vais te déposer. When a player got played. Bienvenue chez moi. Ouais, merci. Oui, nous y sommes. Waouh, une jolie merci. Maison. Une belle fille, une charmante demoiselle. Tu vis dans une maison aussi charmante. Vraiment? Ouais. Merci. Vraiment, c'est un bel endroit. Mmh. Très joli, je t'en prie. Très joli. Eh bien, tu voulais que je sache où tu vis. Alors, me voici. Mmh. Voudrais-tu boire quelque chose? Oh, je préférerais... Couche-toi au sol. Maintenant. Quoi? S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Ferme ta gueule et écoute bien. S'il te plaît, s'il te plaît, je t'écoute. Notre source nous a dit que tu y es le meilleur ami de William Okadibo. Oui, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux? Oui, tout ce que vous voulez, je voulais vous le donner. Mon téléphone, mon argent. J'ai de l'argent, je vais vous donner. Mais s'il vous plaît, ne me tuez pas. Épargne-moi ce spectacle. Je veux que tu nous conduises chez Chief Hyson, Okadibo. Chief Hyson? Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. C'est trop risqué. Explose, je ne peux pas. Non, s'il te plaît. Ok. Oh, je veux le dire. Il arrive. Il va venir en ville ce week-end. Je pourrais vous amener directement à lui. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne me tue pas, s'il te plaît, je t'en supplie, s'il te plaît, et pardonne-moi. When a player got played. When a player got played. It's so dangerous. It's so dangerous. So dangerous. When a player got played. It's so dangerous. It's so dangerous. So dangerous. When a player got played. It's so dangerous. It's so dangerous, so dangerous. When a player got played, it's so dangerous. It's so dangerous, so dangerous. Bonjour, madame. Nous sommes au courant que le père de William sera bientôt ici, alors nous avons trouvé nécessaire. Et nous avons deviné qu'il pourrait lourdement être gardé. Et dans ce cas, on ne pourrait pas me permettre d'entrer après lui. Je sais que vous ne me connaissez pas, madame. Donc il est préférable qu'on donne plus d'explications avant Chief. Katrina, c'est vraiment toi? Oui, madame, en chair et en os. Jasmine, y a-t-il quelque chose que je dois savoir? Alors, monsieur, nous ne savions pas qu'il jouait avec nos vies. Quand j'ai découvert, on a fini par nous combattre, croyant que c'était de notre faute.
Juste pour qu'on s'en rende compte que William jouait avec mes meilleurs amis et moi. Cet acte qu'il a posé est inhumain. Et nous réclamons qu'il nous paye pour avoir perdu notre temps. Voici le summum de tout ça, Williams. Et je crois que Williams doit quitter ce pays. Sinon, il va ruiner mon empire. Les médias ne seront pas au courant de ça n'importe comment. Je vais offrir à chacune d'entre vous 50 millions de Naira pour mettre tout ceci dans les oubliettes. Est-ce que ça vous va? Eh bien, monsieur, que pouvons-nous dire? Merci, monsieur. Merci beaucoup. Et qu'en est-il du bébé? Eh bien, la décision finale revient à Williams et à moi. Chérie. Oui, mon amour. Apporte-moi mon chéquier, s'il te plaît. I thought I was the best. I thought I was the best in this game. I thought I was the baddest. I thought I was the best in this game. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. But I've been played and played and played again. It's so dangerous. You turned me on with those sweet words you say. I couldn't resist. You got into my head. Now I'm messed up. I couldn't think with my head. My heart was overwhelmed with your lies. You fool me, yes, you fool me. You fool me, I believe it. Now it's your time to. I will get my time to. So enjoy it while it lasts. Your time is going to pass.